Et là, bah, du coup, maintenant, je découvre. Là, j'ai refait le début pour nos amis de YouTube et pour l'épisode 1. Voilà. D'ailleurs, tu pourras couper avant, toi. Hein. Voilà. Et maintenant, on va voir la suite, hein, du coup, de God of War 3. Et quid de Zeus, quoi, enfin, dans cette histoire. Zeus qui est là. Donc, du coup, Que vas-tu faire, père ? Salut YouTube, début de l'épisode 2. Maintenant. On reprend maintenant. Est morte à cause de la colère qui te consume, Kratos. Que vas-tu détruire de plus ? Les mains de la mort ne m'ont pas arrêté. Les sœurs du destin ne m'ont pas retenu. Et toi, tu ne verras pas le soleil se coucher. J'aurai ma vengeance ! Enfant impertinent, je ne tolérerai plus ton insolence. Zeus, enter the game. Oh, le boug a un éclair, on dirait Gwyn. Oh, waouh. Voilà, chute à l'arrière. Un éclair, hein. On peut flinguer. Gaïa, je ne peux pas tenir plus longtemps. Si je t'aide, nous tombons tous les deux et Zeus vaincra. C'est pour détruire Zeus que tu m'as sauvé de la mort. Je t'ai sauvé pour que tu aides les titans. Ne me refuse pas ma vengeance. Écoute attentivement, Kratos. Tu n'étais qu'un pion, rien de plus. Tu n'as plus à te soucier de Zeus. Ceci est notre combat, pas le tien. Gaïa ! Wesh. Pauvre Kratos. Kratos le pion, hashtag Kratos le pion dans le chat. J'ai vécu comme un guerrier. Je suis mort comme un dieu. J'ai subi le sacrifice ultime. Et on m'a privé de la délivrance. J'exterminerai tout l'Olympe. Ma vengeance sera terrible. Bah dis donc. Elle était longue la chute de l'Olympe, on aurait dit le combat contre Poséidon. Oh le Styx. Oh bordel. Ouais ça va. Je me fais agresser, qu'est-ce que c'est? Mais laissez-moi en paix! On a beau être dans le fleuve des morts, il y a des limites, quoi. Voilà, musique Santa Monica, toujours aussi fort par contre. Hein. Arrive jusqu'au bord, Kratos, plus cher. Qu'il est pas en canne. Non, on n'en a pas fini, Zeus. Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna. Athéna? Tu m'as manqué, Spartiate. Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Peut-être, mais souviens-toi,
C'est à l'âme qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage. Et l'humanité souffre. Big up à tous les gens qui tombent. Souffrir. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement qu'Arès. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir. La flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir ? Que nous vaut ce changement ? Toutes ces vérités, je les ignorerai. Oula ! Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas. Merci. Tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. Ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. Les lames de l'exil. Oh, l'exil. Bon, ben alors, on continue. Hein. C'est ça, à quoi ? Ah oui, Jérémy, tu m'as dit les orbes rouges, ouais, c'est ce qui permet d'améliorer les armes, in fine. Ok. Ah ça Thomas, c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Ah oui, la lame est repartie à zéro. Maintenez L1 et appuyez. Ah, bah c'est le grappin vers un ennemi. Ok. Hop, lui je le chope. Hein. Ouais, ben bah, de toute façon, on explore, hein, un joueur From Software, hein, tu sais, c'est l'habitude de l'exploration, mais. Là, on a dit qu'il y avait rien. Bon, après, de toute façon, maintenant, bon. C'est pas une vie, c'est pas un truc platine, hein, au pire, si j'ai pas le platine du jeu, c'est pas grave, je le referai plus tard. Hein. Hop, petit point de sauvegarde hein, qui fait pas que du mal. Du coup, on redit bonjour YouTube, voilà, parce que j'ai lancé l'enregistrement du deuxième dans la foulée, et c'est vrai qu'on était sur le moment avec Zeus et Kratos, voilà, donc on n'a pas pu dire bonjour dans les règles de l'art. Oubliez pas de venir suivre le let's play, si on peut appeler ça un let's play, hein, sur Twitch, et j'espère que le premier épisode vous a plu, où on a tué Poséidon, voilà, c'est, on n'oublie pas Poséidon, l'un des dieux les plus connus de l'Olympe, est tombé déjà, avec un QTE légendaire, que je vous laisse aller voir, et en attendant, voilà, on continue, donc on est tombé dans le Styx, on est dans le Royaume des Morts, et le but c'est de s'en sortir. Donc je peux aller soit là-bas, soit aller là, là on dirait que c'est la suite du niveau, du coup on va peut-être aller d'abord là-bas. Pour aller taper des gens. De toute façon, tout joueur From Software qui se respecte vous le dira. Et Thomas, Nox, dans le chat, pourra le confirmer. Il faut toujours aller sur les chemins où on peut revenir en arrière. Alors, est-ce que je pourrais revenir en arrière ? La réponse est oui. Surprise. Bon là il y avait rien, c'était juste pour aller chercher quelques petits points d'expérience pour l'arme du coup. Du coup on peut repartir. Hop. Bon la personne qui vient de tomber elle a pas passé un bon week-end, cher. Ça c'était un cri de haine. Hein.
Ok. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai très peu de vie du coup en ayant perdu, en ayant été remis tout à zéro. Ok. Ouais, l'OST. Je savais que tu reviendrais, Spartiate. Je t'ai manqué. Armée de Sparte, faites venir une phalange de boucliers de lance qui repousseront vos ennemis. Incroyable. Je sais pas comment on fait, mais on va le découvrir. R2. Ok. Wow, incroyable. Ah oui, d'accord, fallait être collé à eux par contre. Genre, ils te donnent le truc pour le faire, par contre, ils ont pas dit, ouais, fallait être collé au boug. Ouais, ça va, laissez-moi un peu d'espace, hein. On est pas à ça près, quoi. Pourquoi vous me faites ça? Aïe, 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 calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Vas-y, on va re-essayer du coup. Wouah. C'est stylé. C'est stylé. Très très stylé. Ah, c'est illimité là. Oh, ma Z. Fallait le dire plus tôt. Ok. Oh, oh le rampant. On se croirait dans Call of. Oh le zombie. Ok. J'aime entendre toute ta souffrance. Du coup, il y a rien à faire avec ça. On peut pas. Non, on peut pas l'ouvrir. On peut pas le. Wow, j'ai failli tomber. Là, on est d'accord. Ouais, non, il y a rien à faire. Là. Ok. Bon, ben, ma foi, on se casse alors. Là on bourrine. Oh que j'avais pas vu. Oh que je l'avais pas vu le clébard. J'étais en train de regarder ce que t'avais marqué, j'ai mis dans le chat. Aïe, l'erreur bête. Surtout qu'on sait jamais, en vrai ils disent de joystick dans le gauche-droite, mais je sais pas si c'est le gauche ou le droit à chaque fois. Hop, on met déjà des petits coups de pied en prévention. Voilà, dégage. Vous êtes des putes. Non, mais... Oh, ça va, au bout d'un moment. Laissez-moi vivre. Ah quoi, derrière aussi? Mais il vient d'où, le boug? Ok, il y en a un encore. Ok, c'est bon. Oh, le chemin en... Merde. Le chemin qui fait pas que du bien. Ok, on se tourne. Et là on le déclingue. Je sais pas s'il y en a un deuxième. Logiquement par deux ils vont, on dirait des sites. Enfin, c'est... Ouais, c'est ce que j'ai fait les deux tout à l'heure, mais je sais pas, ça va pas. Un mot gribouillé pour une arme torturée. Aucune fleur délicate ne peut s'épanouir dans cette obscurité oppressante. Ce soir, j'honore l'invitation d'Hadès et je me joins à sa table, mais je jure que je ne quitterai pas ce lieu infâme sans vous. Rien ne nous séparera. Perséphone, ma bien-aimée. Pyrothéus. Voilà. Évidemment, un peu de lore, de mythologie à retrouver sur la chaîne Majula TV sur TikTok. D'ailleurs, si vous aimez la mythologie, instant promo. Ok, donc ça c'est fait. Bon, là, il y a l'air juste d'avoir du feu et de la haine. Là, il n'y a rien. Bon, on va continuer à avancer. Hein. Ok. Petit coffre. On avance. Non, on peut pas passer par là, on peut passer par là. Ok, on ouvre. Oh, oh vous ici. Oh bud, ah bah dis donc, ça fait du beau monde cette histoire. Ah bah oui, une gorgone qui les transforme en pierre. Waouh. Oh la dinguerie. Waouh, et ça va au bout d'un moment. Ok. Oh le putain, eux qui a demandé pas tant.
Waouh. Oh la dinguerie. Ouf. Waouh. Ouf. Waouh. Stylé. Oh, ouais, je l'ai pris plein fer celle-là. Je crois que j'ai plus trop de vie, ça va être un peu galère. Non, non. Oh non, putain, j'avais pas assez de vie. Ouais, la démonétisation, j'ai vu aussi, mais j'ai essayé de rien dire. Ouais, mais je spawn, j'ai pas de vie aussi. Oh, à l'époque, ils étaient impitoyables. Hein. Oh la parade parfaite. Aïe. Ouais Thomas, je te laisserai flouter du coup quand tu feras le montage. Oh merde, j'étais en train de regarder. Qu'est-ce que tu m'as dit Jérémy? Je regarderai après du coup si t'as gêne pas pour pas rater le QTE. Ah oui c'est ça oui, ok. Là, j'aurais bien aimé qu'ils me redonnent un peu de vie en fait quand je les tue les bougs parce que bon. Ah mais ouais mais je prends un coup putain. Mais en fait c'est ce premier coup là que j'arrive pas à esquiver parce que genre je spawn et j'ai pas le temps de sauter. Pourtant je l'ai. Hein. Merde, j'étais en train de revoir. Faut que je m'habitue à checker que quand je suis safe. On est plus habitué au QTE de nos jours. C'est dommage d'ailleurs. Non, j'ai pas platiné tous les From Software pour pas faire les jeux en difficile maintenant. Non mais ça va passer. C'est juste que voilà. Jusqu'à mes voilà ce coup. Ce coup il est trop rapide. Trop rapide, et je fais ce que je peux. Là j'ai une idée, voilà, là je balance direct la magie. Voilà. Oh non. Oh the fuck. Bon déjà je suis pas un coup de mourir cette fois. Il y a une avancée. Non. Oui, voilà. J'espère qu'il n'y en a pas une troisième, sinon on va bien rire. Hein. Ok, en détente. Ok. Oui, je me doute, merci. Maintenant, on peut repasser de l'autre côté. Grupao. Hop, on bat des ailes. Reviens en arrière. J'ai raté un truc. Oh what the. Oh what the fuck. Oh le monstre. Oh monstro. Oh le moment où il va falloir descendre dans tous les trous, quitte à mourir, pour tester.
Ok, bon, donc là, je peux pas y aller. T'es pas assez attentif, mais en même temps, je vois Andrew, je saute par-dessus. Oh, Dave. Ça va, Dave? Tu viens animer un chat déjà bien animé? Qu'est-ce que c'est, cette petite bête? Elle a l'air toute mignonne. Tu... Calme-toi. Ok, je peux pas la frapper. Ah, le fait qu'on puisse pas tourner la caméra, par contre, c'est terrible. Hein. Ok. Bon, alors lui, on l'a agressé alors qu'il avait rien demandé à personne. Hein. Ok, donc là, il y a l'air d'avoir un trou en haut. Peut-être monter là-dessus. Ok. Oh, wow. Bonjour. J'ai assez souffert, Spartiate. Hadès, il m'a condamné à ce supplice éternel. Ah, ah ben oui. Ma prison de petit bois. Mais maintenant que tu es là, tu peux me libérer. Je n'ai que cet arc à te proposer. Je t'en prie, si tu me libères, il est à toi. Merci le boug. Le boug veut être libéré. Éloigne ces flammes. Éloigne ces flammes. Bah, c'est pas comme ça quoi. Éloigne donc ces flammes. Est-ce que je peux arriver à sauter Tu ne devrais pas jouer avec le feu, Spartiate. Yes, ça passe. Ça passe. Ok. Alors du coup, ça me montre là-bas. Mais... Un pour mettre un coup de pied. Ok. Mais du coup, ça, c'est fait pour cramer ce qu'il y a là. C'est fait pour cramer... pour que le mec de là-bas... Non, parce que là, je peux pas le cramer, ça. Je vais essayer par acquis de conscience, mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Même ça, ça y ressemble quand même, parce que le truc, on peut l'amener, il y a l'air d'avoir un chemin. Oui, non, mais d'accord, elles sont inflammables, mais du coup, pour faire, si je mets du feu dessus, qu'est-ce que tu fais, ça prend feu et ça met le feu au truc d'à côté. Ah ouais, d'accord, le feu ne se transmet que dans une zone, en fait. On part sur ce point-là. Éloigne ça de moi. Mais il faut les allumer, et ma réflexion était bonne. Hein. Juste de gneu, la physique du jeu, il a dit qu'il fallait pas faire comme ça. Oui, tout en maintenant R1 pour donner un coup de pied. Merde. Le bruit qu'il a fait pour donner un tout petit coup de pied. C'était trop rigolo. Ouah, sauter dans le courant d'Icar. Voilà, dinguerie. Pourquoi ça s'est refermé, cette merde? Ok. Intéressant. Faut peut-être que je le recule. Non. Par contre, c'est quand même gaulerie de voler comme ça. On dira ce qu'on veut, mais... Ah, je peux plus. D'accord, donc ça, forcément que ça reste de ce côté, je peux pas le remonter. Du coup, on va le remettre là. Mais pourquoi le truc s'est descendu? J'ai pas vu, j'ai raté un moment, pourquoi... Ou alors, s'il faut descendre ça... Ah, il faut descendre ça pour que l'autre côté... Et s'il y a un délai, genre... Oui, c'est ça. Tu vas me brûler vif. Voilà, la petite course de Kratos. On n'est pas des monstres. Ça passe. Et ça passe. Ok. Et il est plus rapide dans les 9 royaumes. Hein. Ok, donc ça, logiquement, pour esquiver les attaques ennemies. Mais ça crache du feu.
Mais si, t'inquiète, t'inquiète, Pythorus, Pythagore. C'est pas Pythagore, je sais. Mais pourquoi le bouc se barre? On va ici, enculé. Oh waouh! Oh, c'était moi. Frappe-le! Oh, le bouc court dans le mauvais sens! Ciao Thomas! Je te dirai pour les VOD à quel moment tu faut que tu coupes. Ok, donc là il crache des boules de feu, je veux bien. Ah. Ok. Oh merde. Oh, il est en feu le bordel. Bon, au moins on va récupérer son arc, hein. Merde. Ça va. Calme-toi. Ok, c'est où qu'il reste des ennemis? Ah non, là c'est pour le tuer. Oh, wow. Eh ben. Prends le bug. Un arc redoutable qui appartenait au dieu Apollon, d'accord. Donc L2, tu as remporté l'arc d'Apollon. Oh. Ses flèches enflammées dégageront. Oh, le petit trophée. Oh, le concours d'arc. Oh, la dinguerie. Et voilà. C'est une affaire qui roule, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais du coup, est-ce que je peux brûler les trucs? Ouais, maintenant, je peux brûler les trucs comme ça, ça veut dire. Alright. Mais est-ce que du coup ça c'est la suite du niveau ou est-ce qu'il faut que j'aille sauvegarder d'abord? Peut-être que j'aille sauvegarder d'abord. De toute façon ça vaut toujours le coup d'aller sauvegarder en premier. Dans le doute. Hein. Mais explore! Je sauvegarde d'abord et après je viendrai explorer. Bon tu veux que j'ai... Bon allez, j'explore en premier, voilà, c'est bon. Voilà, vroom vroom vroom. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Lui, on va l'aider en le tuant parce que bon. Ok, donc on a ramassé un œil de gorgone et une plume. Donc, du coup, la suite du niveau, c'est là où on avait la sauvegarde en fait, si je comprends bien. Par contre, attends, parce que le. Comment on fait pour améliorer, enfin, pour améliorer l'arme? Je l'ai eu. Start. Oh, what? Oh, ça fait longtemps que j'avais pas eu un joug, c'était start pour améliorer l'arme. Ok. Alors, amélioration à l'aide de L1 et R1. Déplacez-vous dans les menus. Appuyez sur X pour activer. Donc 4000 pour améliorer ça. 2500 pour améliorer l'arc. Et le reste, je l'ai pas. Donc bon, pour l'instant... C'est stylé le menu quand même. Ouais, oui, je pense, ouais, j'économiserai pour l'arme principale. Hop. On sauvegarde, ça fait jamais de mal. Oh là là, oh la générosité. Un mot gribouillé par une âme torturée. Cette mélodie ne s'arrêtera jamais, cette voix chante la souffrance et le deuil, des sentiments pas trop familiers, mais qui n'ont pas encore eu raison de moi.
C'est lorsque cette voix chante l'espoir que je ressens une véritable angoisse, une nostalgie de ce que je n'aurai jamais. Ah, c'est pas signé. Cette fois, c'est pas signé. On reprend un peu de vie, même si on a quasiment tout. On reprend un peu de magie, même si ça, pour le coup, on a tout. Lui, on le flingue, alors qu'il avait rien demandé. C'est la suite, là, ou c'est... Ok, ouais, je vois. Ok, j'avais pas vu le petit coffre. Et la corne, du coup, pour le pouvoir de votre objet. Ok, donc je pense, présume qu'on a récupéré les trois trucs qui permettront d'améliorer la mana, la santé et la rage, je dirais. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Oh, le rite satanica. Oh, qu'est-ce que c'est, ces trucs? Oh non, mais j'aime pas les ennemis volants, c'est relou de ouf, putain. Oh là là. Oh, c'est relou de ouf, les ennemis volants. Bah, les mecs me... Waouh. C'est juste les armes d'appoint. What? Attends, on va faire hop. Waouh. Wow, wow, c'est un délire par contre l'écran. Je comprends rien ce qui se passe. Il y a là-haut au sol, il m'attaque aussi en piqué. Ouais, mais c'est quoi ce délire? Moi j'avais juste. Voilà quoi. Genre faut choisir les enfants. Wouah! Ils sont combien? Voilà. Ouah, les mecs. Mais j'ai l'impression de pas en tuer. C'est quoi ce bordel? Ouah. Pour les esquilles, c'est du dash. Pour le reste, t'attends au sol. Ok, chaud. Ok, donc en fait, j'essaye pas de les attaquer dans les airs, en fait. J'attends qu'ils... Aïe, j'avais pas vu celui-là. Waouh. Pour l'instant, j'essaie de survivre face à ces trucs. Faire le ménage. Hop, il en reste un. Voilà. Ça va. Donc j'ai joué simple cette fois, ça s'est mieux passé, t'as raison. Voilà. Et du coup, je déplie ma haine sur eux. Mérité. Et dans les petits pots, on peut choper aussi des perles rouges. Alors, c'est un peu comme dans Jack and Dexter. Y'a pas un truc derrière? J'ai mal vu, genre là-bas. Je pense pas en vrai.
Ok. Ah t'as vu, Dave, c'était chaud. Hein. C'était pas si facile les premiers God of War, voire même plus dur que ceux de maintenant. Même bon, si ceux de maintenant God of War, ils sont balèzes quand même. Hein. What the fuck, je voulais redescendre d'un cran. Pourquoi il est tombé? N'est pas Nathan... Oh, le coffre qui est pas ouvert. N'est pas Nathan Drake qui veut. Ah d'accord, putain, c'est que je pouvais pas m'accrocher en haut du coup au rebord. J'ai cru qu'on pouvait redescendre d'un coup. Ah, et le 1 et le 2 sont plus durs. Ouais, c'est... Ouais, tu m'étonnes, hein. Ouais, le 1 et le 2, du coup, j'ai même plus dur que... Maybe. Après, c'était les débuts, il savait pas gérer, c'est pour ça. Y'a rien à gauche. Oh. Oh, et l'exploration. On avait dit l'exploration. Ah, par contre, c'est vrai qu'ils sont cachés comme des bâtards. Va vraiment falloir explorer dans tous les sens à chaque fois. Hein. Mais tu les avais fait, Dave, les God of War ancienne gen? Putain, je savais pas. Je les avais pas fait du tout, moi. J'étais passé à côté. C'est vraiment le God of War, le premier... version nordique qui m'a mis sur le... Bah, what the fuck. Ah, d'accord. Qui m'a mis sur le truc des... Mais explore, j'ai exploré, là. Y a pas 10 coffres avec un truc à côté. Si? Attends, j'attends là, le temps que tu me dises. Là, j'ai eu le coffre avec l'œil. Y a pas un coffre juste à côté avec une corne ou avec autre chose. Si? Bah, ben voilà. Pourquoi t'écris majuscule alors, bonhomme? Mais c'est pas... Oui, mais tu sais, les comme je t'ai dit... Oh non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Les joueurs FromSoft ont habitué à explorer. Ok. Ok, y a rien en bas, ma foi. Voilà, j'y ai cru, tu vois. Je me suis dit, on en a trouvé un. Là, on peut descendre et. Ok, ok, Dave, je savais pas que t'avais fait. Pour en prendre un peu de vie et on est parti. Ok, petit truc pour sauvegarder. Voilà. Oh, oh, oh. Explore. Ah, on va gagner un peu de vie. On pourra prendre un petit coup en plus. Et du coup, Jérém, tu me dis si je me trompe, mais quand tu meurs, tu perds pas d'orbe, on est d'accord? J'ai pas fait attention depuis tout à l'heure. Genre c'est pas punitif à ce point quand même. Je crois pas, ouais, non je crois pas non plus. Bon là j'ai vu qu'il fallait appuyer sur R1, je continue d'explorer, il faut voir s'il y a rien. Je pense pas, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir faire ce petit truc. Un message est gravé sur la plaque. Okay. Quiconque veut être jugé doit apparemment passer les épreuves d'Erebus. Donc on va passer les épreuves d'Erebus alors. Ok.
Ok. Donc du coup, si on passe les épreuves d'Erebus, je propose que je cut ici pour... Enfin, le live va continuer. On va encore faire une petite 45 minutes pour faire les 2 heures. Mais je vais cutter ici la deuxième vidéo YouTube.